this power. My heart is beating to the rhythm of a love song. I've never felt this before. L'arrivée. Moi, j'ai dormi un petit peu sur la route. J'étais vraiment fatiguée. Une fois qu'on y va. Exactement. Nous sommes arrivés et on a décidé de venir sur les pistes. Regardez comment c'est beau, il fait un temps magnifique, c'est splendide. Warren est ici, il joue, il fait tellement chaud qu'on lui a enlevé le bonnet, hein. Le bonnet, les gants, il préfère, donc je le laisse. Clément est en train de remonter la piste tout là-haut et papa aussi est là-haut avec Kylian en train de prendre des photos. Ah voilà, c'est cool. Bon, allez, c'est parti, on prend l'ascenseur. On va sur les pistes de ski. Voilà. Allez, monte. Coucou. Bon, on a déposé Warren au Piu-Piu pour les cours de ski parce qu'il y a ski pour les petits. Et du coup, nous, on va faire un peu de luge. C'est très calme ce matin. Vous voyez ? Allez, let's go. Bon, maintenant qu'on est sur les pistes, regardez comme c'est beau. Je vais monter, rejoindre Kylian, Clément et Sébastien. Warren, lui, est juste là-bas derrière, chez les Piu Piu. Clément, freine, Clément. Bon, c'est la fin de journée. Petite gaufre pour Kylian, glace pour Warren et Clément. Et papa s'est pris un petit vin chaud. Voilà. Je l'ai goûté, j'aime bien, mais je trouve ça sucré. Oui. Qu'est-ce que t'en penses ? Moi, ça me plaît. Bon, j'en boirais pas 10, hein, mais là, un petit verre, c'est parfait. Bon, on est venu voir les chiens de traîneau qui vont pas tarder à partir. Regardez comment ils sont mignons. C'est trop, trop mignon. Il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau. Viens ici, Warren, viens ici. Les plus gros comme ça, là, c'est des Esquimaux du Groenland.
Bon, nous sommes mardi matin, c'est l'heure des cours de ski pour Warren. On fait le petit tour avant de lui dire au revoir. C'est quoi ça? C'est un loup-garou, oui! Et là, c'est quoi? Et ici, c'est qui? Un ours. Dernières instructions avant de partir, je vous raconte pas, j'ai le cœur qui bat à 1000 à l'heure, tellement j'ai peur pour eux. Mercredi après-midi, il est 14h30, on va aller faire un petit tour dans la vallée, on va se promener un petit peu, essayer de faire quelques petites balades sympas, il fait beau, il fait pas froid du tout, donc voilà, on va essayer d'en profiter. Là, on est sur le parking, je trouve ça trop joli. Regardez, il y a des petits chalets ici que vous pouvez louer. Juste en face, il y a l'aire de jeu qui est là pour les enfants. Et un petit peu plus loin là-bas, il y a le lac. On y va. Regardez le lac de Payolle, comment c'est beau, c'est magnifique. J'adore. C'est trop beau. Ce que j'apprécie aussi, c'est ces petits chalets là, au bord du lac. Je trouve ça trop joli. Franchement, l'été, ça doit être hyper agréable. Je sais pas ce que c'est. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une maison de ski.
Non, c'est des réservations pour les cabanes. C'est un centre de réservation pour louer les cabanes qui sont en face. Ça ressemble grave à une maison de Strong. Tu trouves? Oui. Recule, tu verras. Bon, je me suis mis de l'autre côté du lac. Vous voyez, tout à l'heure, on était du côté des cabanes, derrière. Et là, on est venu de ce côté. Mais le problème, regardez. Voilà. Il y avait de la neige, ça a fondu. Et du coup, ça fait de la boue. Donc voilà, pas terrible pour aller de l'autre côté. C'est dommage. On voulait faire le tour, mais bon, c'est pas grave. On va s'arrêter là.